cas d'Apuchu, de ce qui se passe avec Apuchu National et le faux pasteur. Dans cette vérité-là, j'ai dit que toute personne qui allait venir raconter du n'importe quoi, j'allais venir éclaircir ça. C'est dans cette veine-là que Madame Vouvoiement est venue raconter du n'importe quoi. Madame Vouvoiement est venue mentir sur le dossier d'Apuchu National. Alors, je suis sortie pour dire à Madame Vouvoiement que c'était une menteuse. Je suis sortie pour éclairer Madame Vouvoiement. Je suis sortie pour lui demander, elle, qui voulait brûler l'institut de la soeur du faux pasteur, est-ce que c'est parce que son frère était au pouvoir? Parce que oui, c'est une menteuse. Je suis sortie pour appeler le passé de Madame Vouvoiement, pour lui dire qui elle était. Alors, elle ne l'a pas aimée. Elle n'a pas aimé ma part de vérité. Elle est sortie sur sa page, comme d'habitude, essayer de mentir, mélanger mythe et réalité. Elle essaie de raconter n'importe quoi sur sa page. Ça ne me dérange pas parce que, comme je dis, chacun est libre de parler, chacun est libre de s'exprimer. Mais à partir du moment où Madame Vouvoiement prononce le nom de mon père, prononce mon père et sa mère dans ce qui lui sert de bouche, dans sa chose qu'elle utilise pour vociférer sur les réseaux sociaux, sa chose qui lui sert de bouche sur les réseaux sociaux, à partir du moment où elle parle et qu'elle dit ton père et ta mère, je pense que là, il est temps que je vienne lui donner sa réponse. Je pense que là, il est temps que je mette les points sur les i. Alors, ce message-là s'adresse à Madame Vouvoiement, qui n'est autre que Aya. Madame Vouvoiement, ce direct-là, je vais le faire en vous vouvoyant. Ça veut dire que c'est une femme qui est tellement bête. C'est une femme qui n'a tellement rien dans la tête que pour elle, la vouvoyer, c'est l'insulter. C'est une femme tellement stupide que lorsqu'elle a été vouvoyée par un monsieur qui ne la connaissait pas, elle est sortie l'insulter. Parce que pour elle, vouvoyer est une injure. Je vous montre à quel point cette fille-là n'a rien dans la tête. Alors, comme vouvoyer est déjà une injure pour elle, nous allons la vouvoyer. On va la vouvoyer dans ce direct-là. Alors, Madame Vouvoiement, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Ça veut dire que je vais faire ce direct-là en 5 étapes. Je vais relater quelques faits au début. Et puis à la fin, je vais vous montrer que je sais descendre dans la merde. Je vais vous montrer la différence entre vous et moi. Je vais vous montrer que le mauvais comportement, être mal éduqué là, être mal éduqué, ça ne s'apprend pas. Tout le monde a ça en lui. C'est être bien éduqué qui s'apprend. Donc moi, par rapport à vous, j'ai eu la chance d'avoir une éducation. Je peux porter les deux vestes. J'ai la veste de l'éducation, puis j'ai la veste de la saleté comme vous. Mais vous, malheureusement, vous n'avez qu'une seule veste, Madame Vouvoiement. Vous n'avez que la veste de la saleté. Pour que vous puissiez comprendre mon langage, aujourd'hui, je vais descendre dans la saleté comme vous. Je vais faire ce direct-là en 5 étapes. À la 5e étape, je vais descendre dans la saleté comme vous pour que vous puissiez comprendre mon message. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la famille, on va commencer le direct. Cette petite ordure qui traîne sur les réseaux sociaux, cette petite merde-là qui traîne sur les réseaux sociaux, qui n'est autre que Aya Madame Vouvoiement, quand elle a fait son direct hier, elle a dit que moi, je disais que les gens cassent les papos sur les gens sur Internet et que ce n'était pas bien. Et que moi-même, je lui avais demandé de casser des papos sur un monsieur, donc je n'étais pas différente des autres. Et qu'elle avait les enregistrements. Alors, j'ai mon portable, j'ai laissé ça de l'autre côté, c'est pas grave. Au prochain direct, je vais le montrer. J'ai mon portable qui est cassé et mes abonnés qui me suivent le savent parce que je leur dis tout. Mon portable, quand j'étais à Abidjan, mon S20 est cassé. Je ne l'ai pas réparé. J'ai pris ce iPhone-là, ce iPhone 12-là à la place. Mais il est là, je ne l'ai pas réparé. Alors, je vais vous expliquer, la famille, ce qui se passe. J'ai une abonnée du nom de Sephora Bicente. Si elle est là, elle peut confirmer. Elle s'appelle Sephora Bicente. Cette abonnée-là est venue me voir un jour en pleurant. Elle m'a fait des messages. Ça veut dire qu'elle était atteinte. Elle m'a envoyé des messages, toute triste. Elle m'a dit, ah, maman Maya, je me suis fait arnaquer toutes mes économies. Je dis, comment ça, mon bébé? Parce que je suis très proche de mes abonnés. Je discute beaucoup avec mes abonnés. Je dis, comment ça, mon bébé? Elle m'explique qu'il y a un monsieur qui fait quelque chose un peu comme les cunettes ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que le monsieur là, il promet aux gens, il dit aux gens, venez investir, venez me donner votre argent, je vais investir dans l'agriculture pour vous.
En retour, vous aurez les bénéfices et vous allez récupérer votre argent. Alors, ce monsieur-là, il a partagé ses messages partout sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de jeunes qui sont allés vers lui. Il y a plein de mamans, plein de papas qui sont allés vers lui, qui lui ont fait confiance. À la dernière minute, il a fui avec l'argent des gens. C'est ainsi que ce monsieur l'a fui avec les économies de ma fille Sephora Bicente, qui est sur cette page-là. Je la connais même pas. Elle est juste sur ma page, c'est une ancienne abonnée. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait une vidéo sur ce monsieur-là dans le passé. Malheureusement, j'ai supprimé la vidéo quand j'étais en Côte d'Ivoire. Sinon, j'allais la balancer. J'ai fait une vidéo sur ce monsieur-là pour lui demander de restituer l'argent de Sephora Bicente et de mettre fin à ses magouilles. Parce que pour moi, je ne trouvais pas ça loyal d'arnaquer les pauvres citoyens, de prendre des millions aux gens, de dire que tu vas mettre ça dans un projet d'agriculture pendant que tu sais que c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Sephora a pris toutes ses économies pour donner à ce monsieur-là. Combien de personnes l'ont fait? Combien de personnes a-t-il arnaqué? Alors, les anciens se rappellent de ce dossier-là parce que j'en ai parlé sur ma page. Quand j'ai fini de parler de ça sur ma page, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ce combat-là. Je venais à peine de commencer parce que moi, ça fait 2 ans. Ça fait même pas encore 2 ans, mais ça va faire 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je dis, moi, je ne peux pas faire ce combat-là. Comment empêcher ce monsieur-là d'arnaquer d'autres personnes? Comment empêcher ce monsieur-là d'arnaquer d'autres personnes comme Sephora? Alors, vu que je parlais avec Aya, vu que je lui parlais, parce que, comme elle a dit, il y a eu l'histoire de José. Après l'histoire de José, au début, on s'était présenté des excuses mutuellement. Je vais venir sur cette histoire-là tout à l'heure. On va faire ça en 5 étapes pour ne pas se mélanger. On se parlait. Je lui ai dit, Aya, il y a une de mes filles qui a été arnaquée. Il y a une de mes filles qui a été arnaquée par un monsieur. J'aimerais que tu en parles sur ta page. Afin que ce monsieur-là n'arnaque plus d'autres personnes. Afin que ce monsieur-là restitue l'argent de ma fille et l'argent des gens qu'il a pris parce qu'il est en fuite. Elle me dit, ah, pour que moi je parle de ça là, il va falloir me payer de l'argent. Hein. Je dis, te payer de l'argent pour empêcher quelqu'un d'escroquer la nation. Quelqu'un qui prend l'argent avec les gens, qui leur fait croire qu'il va investir ça dans de l'agriculture, sensibiliser la population. Parce que moi, je n'ai pas pris de l'argent à Sephora pour parler de ça. Je n'ai pas besoin de prendre l'argent à quelqu'un pour parler de ça. Je me suis mise à sa place. J'ai eu compassion pour cette personne-là qui a mis toutes ses économies dans quelque chose, qui a eu confiance en quelqu'un et qui s'est fait arnaquer. Aya dit, pour parler de ça, il faut qu'on la paye. Il faut que Sephora la paye. Que moi, je suis en train de faire travail Bella pour mes abonnés. Que moi, je fais travail Bella pour mes abonnés. Qu'elle ne peut pas faire travail Bella pour ses abonnés. Que parce que ses abonnés-là même, ils sont hypocrites. Je lui dis, ah, ok. En tout cas, moi, mes abonnés sont sincères envers moi. Vraiment. Au début, elle m'a dit, envoie-moi les informations. Quand elle m'a dit, envoie-moi les informations, je lui ai envoyé la page du monsieur et la photo du monsieur. Je lui ai dit, voilà, il a disparu. Quand elle m'a demandé de l'argent, je lui ai dit, ah, moi vraiment, je ne peux pas aller dire à mon abonné de donner l'argent pour ça. Donc, je vais laisser tomber. Je n'ai même pas dit à Sephora qu'elle m'a demandé de l'argent pour ça. C'est aujourd'hui, c'est elle qui parle de ça. Sinon, je n'ai jamais dit à Sephora qu'elle m'avait demandé de l'argent pour ça. J'ai laissé tomber. À Sephora, j'avais dit, fais une note vocale, explique ce qui se passe. Je vais envoyer à Aya, explique tout ce qui se passe. Je vais envoyer à Aya pour qu'elle essaie aussi de sensibiliser. Quand elle a demandé de l'argent, comme à son habitude, je n'ai plus parlé de ça, j'ai laissé tomber. Alors la famille, quand Madame Pouvoirment, qui n'est autre que Aya, me demande l'argent pour parler de l'histoire de Sephora, elle m'informe ce jour-là. Je vais pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Donc d'abord, pour clore cette parenthèse-là, je vais demander à Madame Pouvoirment, qui n'est autre que Aya. Madame Pouvoirment, vous avez dit hier que vous avez des papos que je vous ai envoyés pour vilipender un monsieur. Que je vous ai envoyé des papos sur ce monsieur-là. Moi, ce que j'appelle papo, c'est rentrer dans la vie privée de quelqu'un. C'est fouiller la vie privée de quelqu'un. C'est dire, oui, ce monsieur-là, voilà qui sort, voilà qui il était, voici la femme avec qui il était, voici ça, etc. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, ce monsieur-là est en fuite parce qu'il a arnaqué des gens. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, si vous parlez de papos, vous dites que vous avez des papos, ou moi, je vous ai envoyé pour aller parler de quelqu'un, que vous avez ça dans votre téléphone, que vous allez balancer. Madame Pouvoirment, il faut balancer. Si vous n'avez pas balancé ça, c'est que vous n'êtes pas une femme. Il faut balancer, on va voir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, je ne suis pas hypocrite, hein? Je ne suis pas lâche.
Je ne vais pas aller voir quelqu'un pour aller donner des papos. C'est-à-dire que ce monsieur-là, je ne le connais même pas. Quel papo j'ai à donner sur lui? Moi, je ne rentre pas dans la saleté. Il faut balancer. On va voir si ce que je dis là, présentement, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Il faut balancer. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre concernant l'affaire Sephora Bicente? Vous m'avez demandé de l'argent. Si je vous avais envoyé de l'argent, vous auriez fait quoi? Vous auriez parlé de cette affaire de Sephora Bicente. J'ai trouvé que non. Moi, je n'ai pas besoin de prendre l'argent à des pauvres personnes. Quand ils viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont des problèmes. C'est parce qu'ils ont besoin de solutions. Je ne suis pas là pour leur prendre de l'argent. Donc, il faut balancer. On va voir qu'est-ce que tu racontes. Qu'est-ce que vous racontez? Pardonnez, madame Vouvoiement. Il faut que vous balancez ça. Alors, madame Vouvoiement, dans cette même veine-là, quand nous étions en train de parler de ça, c'est là où elle me dit, même toi-même là, pour faire vidéo sur toi là, parce que dans le passé, elle en a parlé, sinon je n'allais pas en parler. Comme je dis, moi, je n'ai pas de problème avec José. Par le passé, j'ai eu une prise de tête avec José, par le passé, parce que j'ai un projet que j'étais en train de mettre en place avec les gens de ma page. Ce projet-là, j'ai vu un groupe de jeunes recopier ce projet-là. J'ai essayé de rentrer en contact avec José par plusieurs moyens. Malheureusement, elle n'avait pas cherché à comprendre. Jusqu'à ce que je vienne sur Internet exposer. Parce que je ne voulais pas que ce groupe de jeunes salisse mon projet. C'est une vieille histoire, hein, j'aime pas en parler. Pour moi, ça a été une incompréhension. Je ne me suis jamais excusée chez José parce que je ne sais pas pourquoi je devais m'excuser. J'ai dit ce que je pensais, elle a dit ce qu'elle pensait. Je ne sais pas pourquoi je devais aller présenter des excuses pour ça. C'est une vieille histoire pour moi. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec José. Je respecte son travail, je respecte ce qu'elle fait, je respecte sa vie. Je ne veux même pas parler d'elle et je ne parle même pas d'elle dans mes vidéos. Parce que nos chemins ne sont même pas sur la même route. Mais cette fille-là, cette fille qui n'est autre que Aya, cette perdue de la société, cette petite merde-là, vu qu'elle a chaque fois besoin de soutien, quand elle veut s'attaquer aux gens, elle a besoin de soutien. Elle est venue parler de l'histoire de José hier. Pour que les gens se disent, ah, oui, c'est elle qui a eu problème avec José. Oui, oh, non. Oh, Aya, ouvre tes yeux. Tu n'as pas besoin de renfort pour venir contre moi. Tu es forte, non? Tu es forte. Alors laisse José de côté. José n'a rien à voir avec ça. José a sa vie privée. José a son enfant. José a sa vie de famille. José a sa vie artistique. Laisse-la en dehors de ça. Elle n'a rien à voir dans ça. Tu l'aimes, pourquoi tu veux la salir? Tu aimes José, alors pourquoi tu veux la mêler dans cette merde-là? Enlève-la de ça. Enlève-la de cette merde-là. Elle n'a rien à voir là-dedans. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Enlève-la de cette merde-là. Laisse-la tranquillement dans sa vie de couple, dans sa vie musicale. Alors, je vais profiter en même temps pour raconter ce que tu m'as dit sur José. Quand on parlait de l'histoire Sephora Bicente, quand tu m'as demandé l'argent pour parler de Sephora Bicente, tu m'as dit ce jour-là, ah, Maya, même toi-même là, quand tu as eu ton problème avec José là, et puis j'ai eu à faire la vidéo sur toi, c'est parce que José m'a envoyé de l'argent. José m'a payé pour que je fasse une vidéo sur toi. Moi, je ne fais rien gratuitement. Donc, si tu veux que je parle de ta petite là, de son problème, il faut que tu me payes. Parce que moi, je ne fais pas de travail Bella. Pour parler de toi là, ton problème est José là. Moi-même, je sais. C'est-à-dire que la deuxième fois, la première fois, on s'était présenté des excuses. La deuxième fois, quand on parlait, quand je dis présenter des excuses, je parle de Aya et moi, ça n'avait rien à voir avec José. La deuxième fois, quand on parlait de l'histoire de Sephora, c'est là où elle me dit que José lui avait payé de l'argent pour me salir. Que elle m'aimait, c'est moi-même, je sais que le projet là, c'était pour toi. Moi-même, je te suis il y a longtemps sur Internet, je sais que tu fais les choses humanitaires, je sais que tu fais beaucoup de choses, tu fais du social. Moi-même, je sais que tu avais raison, je t'ai entendu parler de ce projet-là, mais ma chérie, elle fait comment? On m'a payé de m'éteindre. Moi, quand on me paye, je fais le travail. Tu m'as dit ça, Aya, j'ai pris ça pour rire. J'ai pris ça pour rire, je me suis mise au-dessus de ça. Ça m'a choqué de savoir que certaines personnes allaient jusqu'à payer des blogueurs pour venir salir d'autres personnes. Parce que ce jour-là, moi, je m'étais expliqué. José s'était expliqué. D'explication en explication, pour moi, c'était fini. Quand je vous ai vu faire des vidéos après, quand je t'ai vu faire toi, parce que c'est toi qui as commencé, une vidéo après, je n'ai pas compris. Jusqu'au jour où tu m'as dit que José t'avait payé pour venir me salir. Jusqu'au jour où tu m'as dit que José t'a payé de l'argent et t'a demandé de me détruire sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais osé parler d'elle. Je ne comptais pas en parler ici.
Depuis que je parle là, je n'ai jamais parlé de José parce que pour moi, c'est une histoire passée. Je suis passée sur ça. Ça fait partie de mon passé. Le jour où je vois José là, si on se croise quelque part, elle et moi, je vais la saluer. Et je suis sûre qu'elle va me répondre. Pour dire que nous sommes des grandes femmes après tout ça, ça arrive. Des prises de tête sur les réseaux sociaux, ça arrive. Qu'on ne se comprenne pas sur quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça fait de nous des ennemis? Non. José, ce n'est pas mon ennemi. J'ai rien en cœur contre elle. La preuve, j'écoute sa musique. Quand elle fait sortir quelque chose de bon, quand elle fait sortir quelque chose de cool, j'écoute sa musique. C'est une soeur ivoirienne comme moi. Si je peux valoriser sa musique avec plaisir, je le ferai. Je ne suis pas rancunière. Je ne suis pas une sorcière. Tu comprends? Vous comprenez, madame Vouvoiement. Alors, vu que vous avez parlé de ça, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse-là, pour éclaircir les choses. Donc, si vous aimez vraiment José, protégez-la. Enlevez-la de ça. Elle ne mérite pas de traîner dans ce genre de choses-là. Elle n'est pas blogueuse. Elle fait la musique. Laissez-la à sa place de musicienne. Donc, la famille. Et au passage, c'est elle qui m'a informé qu'il y a certains artistes qui payaient des blogueurs pour les insulter. Pour leur donner du buzz avant la sortie de leur album. Qu'il y a des artistes qui la payent pour qu'elle les insulte, pour qu'ils aient la contenance avant qu'ils ne sortent un album. C'est elle qui m'a expliqué tout ça. Moi, je ne suis pas dans ce milieu-là, je ne connais pas. Alors, c'est elle qui m'a dit qu'elle a reçu de l'argent de José. Et puis, elle me dit quel bon agent même. En ce temps-là, c'est parce qu'il était dans le besoin. Sinon, quel bon agent même. Hein, ma grande soeur, vraiment, il faut me pardonner. J'en ai ri. Je t'ai dit, je t'ai pardonné il y a longtemps. Sinon, toi et moi, on ne cause plus. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Alors, la famille, ça, c'était pour éclaircir la petite partie-là. La petite partie-là, il fallait que je puisse éclaircir ça. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé l'argent pour parler de l'affaire de Sephora. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas José. Moi, je ne vais pas te payer de l'argent. Je ne peux pas te payer de l'argent pour aller dire la vérité. Pour aller empêcher un monsieur d'arnaquer les gens. Moi, je le fais gratuitement. Donc, papa, tu dis comment je t'ai envoyé papa sur un monsieur pour le salir, là. Il faut faire sortir ça, Aya. Faire sortir ce papa-là. Il faut faire sortir. Je t'ai envoyé sa photo et son Facebook. Je t'ai expliqué ce qui se passe. Je t'ai dit qu'il est en fuite. Et qu'il a arnaqué des gens. Et que j'ai besoin qu'on en parle pour qu'il rembourse l'argent des gens. Oui. Maintenant, est-ce que je suis rentrée dans la vie privée de ce monsieur-là? Non. Est-ce que j'ai porté atteinte à la vie privée de ce monsieur-là? Je suis rentrée de fouiller dans sa vie comme tu le fais. La saleté que tu nous sers sur les réseaux sociaux. Rentrer dans la vie privée des gens. Est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Mon éducation ne me permet pas ça. Alors, le papa dont tu parles, il faut faire sortir ça. J'aimerais voir ça. Alors, la famille, hier, elle a dit que moi, je suis allée critiquer Apoutchou chez elle, Apoutchou National, chez elle. Déjà, tout le monde te connaît. Aya, tu es la meilleure enregistreuse sur les réseaux sociaux. Si tu enregistres tout le monde, que ce soit tes amis ou pas, tu les enregistres. Tu enregistres tout le monde. Alors, si j'ai critiqué Apoutchou chez toi, c'est que tu as l'enregistrement. Il faut faire sortir. Si j'ai critiqué Apoutchou chez toi, c'est que toi, tu as l'enregistrement, il faut faire sortir. Tu penses que je suis hypocrite comme toi? Tu penses que je suis sale comme toi? Tu penses que je suis misérable comme toi? Quand moi, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis cache à cette personne-là. Je gagne quoi à venir critiquer Apoutchou chez toi? Apoutchou m'a fait quoi? On n'est même pas sur le même chemin. J'ai confiance en toi, hein? Toi, une fille bête comme ça. Toi qui enregistres tout le monde sur Internet, qui ne te connaît pas? Toi, une fille mal éduquée, une saleté, une merde, une minable des réseaux sociaux, qui ne te connaît pas? C'est moi, Maya, qui va aller m'asseoir avec toi. C'est-à-dire que dans tous mes amis, là, je n'ai pas vu quelqu'un, hein? C'est toi. Une saleté pareille. Moi, je vais aller m'asseoir pour critiquer. Et puis qui? Apoutchou. Il faut faire sortir. Je te mets au défi. Tu enregistres tout le monde. Même quand on te dit bonjour, tu enregistres. Il faut faire sortir. Si moi, je critique Apoutchou avec toi, toi, tu vas te faire un plaisir d'enregistrer ça. Qui ne te connaît pas? Il faut faire sortir l'enregistrement où j'ai parlé d'Apoutchou avec toi. Là. Fais sortir ça. Je te mets au défi. Parce que ça n'a jamais existé, ça n'a jamais eu lieu.
Je n'ai jamais critiqué quelqu'un avec toi. La seule fois où on s'est parlé, une fois, on s'est présenté des excuses concernant l'affaire de José. Une deuxième fois, on s'est parlé de l'affaire Sephora Bicente. Où je t'ai expliqué le cas, tu m'expliquais l'affaire de José, que José t'avait payé pour parler de moi. Une troisième fois, je viens, je vais te dire comment ça s'est passé. Pour ne plus qu'on s'appelle aujourd'hui là. C'est des choses que je n'aime pas expliquer, mais je vais expliquer. Pas à pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu parles d'Apuchu, je te mets au défi. Sors l'audio ou bien l'enregistrement ou quelque chose où j'étais en train de parler d'Apuchu avec toi. Parce que c'est faux. Ça n'a jamais existé. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas une lâche. Comme toi, qui passe ton temps à critiquer les gens. Là. Vous qui passez votre temps dans les inbox à critiquer les gens. Je ne suis pas une lâche comme toi. Il faut faire sortir l'enregistrement. Alors, hier, quand elle parlait, elle a dit, je défends Madame Zèbre. Elle dit, je défends le Zèbre. Elle voulait parler au fait d'Emmanuel Keïta. Parce que Emmanuel Keïta, vu qu'elle a quelques végétus qu'elle a reconnu avoir, ces gens-là se permettent de l'appeler le Zèbre ou Madame Zèbre ou quelque chose comme ça. Elle a dit que je défendais Madame Zèbre, qu'un truc comme ça, et que moi, je suis la défenseuse d'Internet. C'est moi, je défends les gens. Moi, qui me défend? On va aller pas à pas. Celle que tu appelles Madame Zèbre, là, moi, je ne vais pas l'appeler Madame Zèbre. Je vais l'appeler Emmanuel Keïta, cette grande dame-là, pour qui j'ai beaucoup de respect. Cette grande dame-là, si c'est de ses végétus que tu parles, je suis fière de ses végétus à elle. Oui. Une femme qui a donné vie, une femme qui a donné naissance, c'est-à-dire qu'une femme qui a fait des enfants, qui a des végétus, elle doit en être fière. Moi, j'ai accouché il n'y a pas longtemps, sur mon ventre là, il y a végétus, et puis je suis fière de ça. Il y a des végétus, je suis fière, c'est ma marque de fabrique. Quand je vois ça, et puis je regarde mon enfant, j'en suis fière. Alors, ce qui te fait mal, c'est que je défends les gens que vous voulez rabaisser. Ce qui te fait mal, la famille, laissez les commentaires, ok? Concentrez-vous sur le direct, laissez les petits commentaires minables. Les gens qui n'ont rien dans la tête et puis qui se perdent sur le direct des gens, laissez-les. Ce qui te fait mal, sécurisez plutôt le direct, la famille, c'est important. Ce qui te fait mal, c'est que moi je défends les gens que tu veux rabaisser. C'est que je dis la vérité quand vous voulez détruire une personne. Quand vous vous attaquez à l'image d'une personne, je suis là pour défendre. Je suis là pour honorer cette personne-là. Je suis là pour redorer l'image de cette personne-là. Quand vous voulez salir cette personne-là, c'est ça qui te dérange. C'est pour ça que je te dérange. Parce que à part ça là, je ne sais pas, toi et moi, on n'a pas le même chemin. Mais ce qui te dérange, je suis là chaque fois que vous salissez une personne. Je suis là pour montrer la vérité. Alors, je suis fière d'avoir défendu Emmanuel Keïta. Et si c'était à refaire, je le referai. J'en suis fière. Ces végétus là, c'est sa marque de fabrique. Quand elle a ça et puis elle regarde ses enfants, elle est contente de les avoir. Toi, excusez-moi les femmes qui n'ont pas d'enfants, je m'excuse beaucoup. Ne vous sentez pas concernées par mes dires, s'il vous plaît. Excusez-moi beaucoup. Toi, Aïe, avec ton ventre vide, ton ventre cimetière, c'est-à-dire que tu devais être chercher même des végétus, c'est-à-dire que tu devais chercher des enfants qui vont te donner des végétus, tu dois en être fière. Au lieu de venir insulter ces femmes-là qui ont donné la vie. Au lieu de venir insulter les femmes qui ont donné la vie, dont leur corps ont subi des petites séquelles, au lieu de venir t'en prendre à eux là, cherche à donner la vie toi-même aussi. Cherche à te mettre dans une situation stable. Cherche à faire un enfant parce que tu manques d'amour. L'amour des parents, il n'y en a pas, tu n'en as pas. L'amour de ta famille, tu n'en as pas. Même l'amour d'un enfant qui va te regarder, qui va pleurer dans tes oreilles, qui va t'appeler maman, tu n'en as pas. Tu es frustré. C'est pour ça que tu passes ton temps à t'attaquer aux mères de famille. Toutes les personnes que tu insultes sur Internet, elles ont des enfants. Toutes les personnes dont tu parles, elles ont des enfants. Mais c'est une fierté d'avoir des enfants.
C'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est quelque chose que ton ventre cimetière-là ne peut pas porter. Il n'y a pas une graine qui pousse là-bas. Il n'y a rien. C'est le désert. La sécheresse. Oui. Parce que tu vois ces petits anges-là, ils savent où ils vont. Ils ne vont pas chez des personnes sales comme toi. Tu es sale. Alors si avoir des végétaux, parce que tu as eu des enfants, c'est un péché, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le péché. Nous sommes d'accord avec ce péché-là. Nous sommes d'accord avec ce péché-là. Au moins, nous avons donné la vie. Et toi? Et toi, la fripouille, la mère des réseaux sociaux? Et toi? Tu n'as pas déposé un petit bébé sur la terre ici? Et ça encore, c'est si tu peux, parce que tu ne peux pas. C'est ton rêve refoulé. Tu cherches à être torche. Mais athée. Parce que tu es mauvaise. Donc la prochaine fois que tu veux parler de moi, laisse Emmanuel Keïta de côté. Le jour où Emmanuel Keïta a dit qu'elle dissociait son image de toi, avant, je ne suivais pas beaucoup Emmanuel Keïta, je m'excuse. Avant, je ne la suivais pas beaucoup. Le jour où elle a dit qu'elle dissociait son image de toi, j'ai pris compassion pour toi. Parce que je te voyais comment tu défendais Emmanuel Keïta dans le passé, tu la défendais. Et un jour, elle a dit qu'elle dissociait son image de toi. Tu m'as fait pitié. J'ai dit, ah, comment cette dame-là peut dissocier son image de Aya? Aya qui la défend tout le temps. J'ai eu mal pour toi. Je pense que je t'ai même fait un message de soutien ce jour-là pour te dire, Yako. En tout cas, tu l'as défendu, nous tous, on a vu. Mais plus tard, quand Emmanuel Keïta a dissocié le requin des réseaux sociaux d'elle, je t'ai dit, puisque c'est le requin qui t'insultait quand Emmanuel Keïta t'a jeté. Donc, quand Emmanuel Keïta a jeté le requin, je t'ai dit, ah, tu as vu, Emmanuel Keïta a jeté le requin aussi, donc ne t'inquiète pas. Ce jour-là, j'ai ri même avec toi. J'ai dit, tu as vu, elle a jeté le requin aussi. Et quand j'ai vu par la suite que tu allais t'associer avec ce requin-là, quand j'ai vu tes directs, quand j'ai vu les directs de ce requin-là, j'ai cherché à connaître Emmanuel Keïta parce que je ne la suivais pas. J'ai cherché à savoir c'est quelle personne, comment est-ce qu'elle est. C'est là où j'ai vu tout l'acharnement que vous étiez en train de faire sur elle. C'est là où j'ai compris pourquoi elle avait dissocié son image de toi. Parce que tu es une personne sale. Parce que tu es de la merde. Tu es une fripouille. Tu es moins que rien. Tu es l'ordure. Tu es de l'ordure. Tu ne vaux rien. Tu n'as rien dans la tête. Tu es une petite merde. J'ai compris pourquoi cette grande dame l'avait dissocié son image de toi. Parce que tu es un cafard. Tu es quelqu'un de qui il ne faut pas s'approcher. Sinon, tu partages ta médiocrité. Tu coules négativement sur cette personne-là. Alors, j'étais fière par la suite de savoir qu'elle t'a fait dissocier d'elle. Ça te fait mal. Tu as mal quand tu vois Emmanuel Keïta parler de moi. Tu as mal. C'est-à-dire que le direct qu'elle a fait où elle a dit, oui, il y a une dame au Canada, vraiment, ma plus belle découverte. Oh, la personne qu'il faut suivre si tu n'as pas envie de rester con toute ta vie. Ah oui, j'ai aimé. J'ai aimé le bim. C'est-à-dire que quand tu as entendu ça, ça t'a piqué. Tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi. Parce que tu es une fan refoulée d'Emmanuel Keïta. Tu es fan d'elle. Tu respires Emmanuel Keïta. Donc quand tu parles, quand tu me vois la défendre, quand tu m'as vu la défendre, ça t'a fait mal. Ça t'a tellement fait mal que hier dans ton direct, tu as parlé de ça. Ma chérie, il faut boire de l'eau glacée. Tu n'as rien vu encore. À chaque fois que je pourrais défendre cette femme-là, je le ferai. Parce que j'ai compris votre magouille sur elle. J'ai compris ce que vous êtes en train de comploter sur elle. J'ai compris comment vous voulez salir son image. J'ai compris qui vous êtes. Le temps donne toujours raison. Au début, je ne comprenais pas. Mais j'ai compris. Le temps a donné raison à Emmanuel Keïta. J'ai compris qui était Emmanuel Keïta. Et j'ai compris quelle saleté toi tu étais. Et je préfère
être proche des gens qui me ressemblent. Des gens avec qui je peux parler le même langage. Des gens qui, quand je vais m'exprimer, ils vont me comprendre. Pas des petites écervelées comme toi qui n'ont rien dans la tête. Pas des petites filles mal éduquées comme toi qui n'ont rien dans le cerveau à part des injures. Est-ce que tu comprends, tu peux comprendre mon message? Est-ce que tu es une personne avec qui on peut discuter? Tu es sale. Tu n'as pas de tenue. Tu ne sais pas t'exprimer sans injure. Tu es prête à tout pour de l'argent. Tu es tout le contraire de moi. Pour de l'argent, tu étais prête à m'insulter. C'est toi qui l'as dit, tu l'as fait, tu m'as insulté par le passé. Pour de l'argent, pour défendre une cause noble d'une jeune fille qui se fait arnaquer dans un pays et plusieurs autres personnes, tu as besoin d'argent pour le faire. Tu es prête à aller jusqu'où pour de l'argent? C'est pour ça que quand tu fais des directs aujourd'hui, pour insulter Apoutou National, je dis, tu le fais pour de l'argent parce que je te connais. Tu ne fais rien pour rien et tu le dis, tu l'as dit hier dans ton direct. Tu l'as dit hier dans ton direct, tu dis que tu ne fais pas le travail Bella. Alors tu es tout mon contraire. Moi, je ne suis pas prête à tout pour de l'argent. Non, j'ai une dignité, j'ai une personnalité. Je peux m'exprimer sans injure, pas comme toi, parce que j'ai reçu une éducation. Ils ont pris mon temps, ils ont pris leur temps pour m'éduquer. J'ai reçu ça. Je peux avoir l'autre veste comme toi, la veste d'être mal éduquée là, parce que ça, ça ne s'achète pas. C'est gratuit, c'est partout. C'est l'éducation qui est compliquée. Et apparemment, tu n'as pas reçu ça. Tu n'es pas éduqué. Et tu es prête à tout pour de l'argent. Tu es tellement prête à tout pour de l'argent que tu t'es longtemps prostituée au Maroc. Alors, dans ton direct, tu m'as traité de chienne. Oh! Chienne! Quand on dit chienne ou chien à un être humain, tu sais dans quel cas on doit le dire? Chienne? Entre toi et moi, qui a un comportement de chienne? C'est toi qui es une chienne. Tu es une chienne parce que tu prends la vie privée des gens pour venir l'exposer sur Internet. Tu es une chienne parce que tu es prête à tout pour de l'argent. Tu es une chienne. Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu es prête à aller brûler le magasin de cette personne-là. Tu l'as fait avec la soeur du faux pasteur. Tu as comploté pour aller brûler son magasin. Tu es une chienne. Tu es une chienne parce que tu vas t'arrêter en bas de l'immeuble de quelqu'un pour aller en découdre avec cette personne-là. Tu l'as fait avec la soeur du faux pasteur. Alors tu es une chienne. Tu es une chienne parce que tu as passé tout ton temps à te prostituer au Maroc jusqu'à y avoir eu mort d'homme dedans. Tu allais te prostituer avec un jeune homme qu'ils ont tué quelque part là-bas. Tu étais avec lui, tu es une chienne. Tu es une chienne parce que tu es tout le temps à quatre pattes pour de l'argent. C'est ça une chienne. Alors quand tu me traites de chienne, je ne sais pas sur quoi tu te bases. Parce que la vraie chienne, c'est toi. Tu es une connasse. Tu es vulgaire. Tu es vulgaire. Tu es la vulgarité en personne. Alors, tu as parlé de mes parents hier. Que oui, mon père paye ta connexion, mon quoi, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Depuis, on est sur Facebook ici, là. Tu as déjà entendu le parent de quelqu'un, d'un blogueur quelconque ou d'une personnalité quelconque de Facebook venir dénigrer son enfant? Tu as déjà vu ou bien tu as déjà entendu? Est-ce que tu as déjà vu, tu as déjà entendu le parent de quelqu'un venir faire ça? Tu es celle-là dont le père, on a entendu les enregistrements de ton père ici. Tu es celle-là dont le père est venu sur Internet dire qu'il est déçu de ton comportement. Ton propre père est venu dire qu'il est déçu de ton comportement. Il ne te reconnaît, il ne connaît pas sa fille. Tu es quel genre de personne? Ton propre père en a écouté ses audios ici.
Alors si ton père qui t'a mis au monde, c'est-à-dire que celui qui t'a fabriqué, est autant déçu de toi, qui sommes-nous pour ne pas être déçus? Tu es celle-là dont le père l'a refoulé sur Internet devant tout le monde. Ton propre père, il t'a jeté. C'est-à-dire que tellement tu es sale, tellement tu es minable. Tellement que tu es minable, ton propre père. Tu as déjà vu mon papa venir s'asseoir sur Internet ici, parler de son enfant. Mes parents ont une chose, ils sont fiers de leur enfant. Laisse ton père, ton pauvre père là, être fier de toi. Laisse-le être fier de toi un peu. À cause de toi, ce pauvre monsieur est obligé de se promener partout sur Internet, aller se faire enregistrer. Tellement qu'il est déçu de toi. Il est déçu de ton comportement, de la médiocrité que tu nous sers, des ordures que tu mets dans nos oreilles matin, midi et soir. Des ordures que tu mets dans les oreilles des gens. Regarde le direct que tu as fait hier sur moi. Con, quoi, c'est-à-dire que exprime-toi comme une femme. Tu n'as pas d'autre mot à part ça. À part la vulgarité. Ton vocabulaire est grivois. Ton vocabulaire est graveleux. Tu es une personne graveleuse. Va regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Tu es sale. Les gens sont fatigués de toi. Tu parles de vue. Oh, elle cherche vue sur moi, elle cherche vue sur moi. C'est toi qui gagnes tes vues sur moi. Si on doit parler de visibilité. Parce qu'en ce moment, les gens sont fatigués de la poubelle que tu leur sers. C'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas de nouveauté. C'est que des injures. Tu es le petit guignol des réseaux sociaux. Tu es la petite marionnette des réseaux sociaux. Quand les gens quittent au travail, ils allument leur téléphone. S'ils ont envie de déconner un peu, là, ils prennent leur téléphone, ils tombent sur tes petits directs sales, là, où tu parles de la vie des gens. Et par curiosité, ils viennent t'écouter. Mais ils en ont marre maintenant de ça. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui cherche la visibilité sur autrui, c'est bien toi qui en gagnerais sur moi. C'est bien toi qui en gagnerais sur moi. Parce qu'en ce moment, c'est moi la différence. En ce moment, je suis différente de toi. Toi, on est fatigué. On a trop entendu ça maintenant. Les histoires de cul, con, mère, père, on est fatigué de ça. Ne donne pas l'AVC à ton pauvre papa. Aie pitié de lui. Ce monsieur, il est fatigué de se promener sur les réseaux sociaux pour dire à quel point il est déçu de toi. Je vais frapper un peu dans ton intimité. Oui, c'est vrai que ça ne me ressemble pas. Mais on dit quand quelqu'un fait le con avec toi, fais le con avec lui. Comme ça, il saura que tout le monde peut être un connard. Je vais te montrer aujourd'hui que je peux être aussi une connasse comme toi. Tu parles de chienne. La meilleure définition d'une chienne, ça commence par ta mère. Oui, c'est ta mère qui a fait la chienne, c'est ta mère qui a fait la pute, c'est ta mère qui s'est prostituée matin, midi et soir. Je respecte son travail, comme on le dit, la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. Alors le métier de ta mère qui était prostituée, je respecte ça. Mais quand une prostituée essaie de tout faire, pour essayer d'avoir un peu d'argent pour que tu aies le minimum, je pense que tu dois respecter ça. Parce que pour insulter les parents des autres, pour parler des parents des autres sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu n'aimes pas tes parents, c'est parce que tu ne respectes pas tes parents. À ta place, j'allais respecter ma mère. Ça veut dire que cette femme là qui s'est prostituée matin, midi et soir jusqu'à ce qu'elle soit morte de la prostitution. Oui, pour l'instant, je vais bloquer un peu. Je ne vais pas dire de quoi ta mère est morte. La maladie qui l'a emportée dans la tombe. Parce que je suis de la santé et je respecte ça. Sinon, on sait. De toute façon, tu penses avoir papa sur les gens. C'est comme ça qu'on connaît ta vie. Mais on ne veut pas en parler. C'est qui a tué ta maman là? Nous tous, on connaît. Donc, cette femme-là qui a pratiqué le plus vieux métier du monde pour que tu aies à manger, qui s'est prostituée dans tous les petits couloirs, qui a encaissé
toute taille et toute forme de sexe. Malgré elle, ça me fait de la peine. Tu devrais accorder du respect à cette femme-là. Oui, parce qu'elle s'est battue à sa manière pour que tu aies à manger. Alors, si elle ne fait plus partie de ce monde-là aujourd'hui, par respect pour elle, tu dois laisser les parents des autres. Parce que si tu parles des parents des autres, non seulement c'est parce que tu n'aimes pas tes parents. Et tu vas faire en sorte que les autres parlent de tes parents aussi. Donc, tu n'as pas respecté tes parents. Par le passé, tu as fait une vidéo sur moi où tu as insulté mes parents, tu m'insultais, je ne t'ai pas répondu. Cette fois-ci encore, tu as prononcé mes parents dans tes bêtises. J'ai dit, cette fois-ci, je vais te donner une réponse. Alors, très cher Aya, sache que je ne vais pas faire un concours de clash avec toi. Non. Ce n'est pas une histoire où je t'insulte, tu m'insultes, je t'insulte, tu m'insultes. Non. Nous ne sommes pas du même niveau. Nous ne sommes pas du même rang social. Parce que moi, j'ai reçu une éducation et toi, tu es de la basse-cour. Tu sais c'est quoi la basse-cour? C'est les fermes où est-ce qu'on élève les poulets, là. Tu es de la basse-cour. Alors moi, je ne clash pas avec les gens de la basse-cour. Parce que tu n'as pas d'autre langage à part des injures. Alors, la vidéo que je ferai aujourd'hui sera la seule vidéo que je vais faire sur toi. Dans ces histoires de clash-là. Quand j'ai une vérité à dire, si tu es sur mon chemin, que je dois dire la vérité, je dirai la vérité, quel qu'en soit le prix. Si tu n'es pas sur mon chemin, que je n'ai pas de vérité à dire, je m'en fous, je ne dirai pas de vérité sur toi. Moi, je ne vote pas. Alors, tu dis aux gens, oui, c'est elle qui fait des vidéos sur moi. Moi, je dis des vérités sur toi. Sinon, celle qui a commencé à faire vidéo sur son ami, c'est toi qui m'as insulté. La première fois dans une vidéo, qu'est-ce que je t'avais fait? Tu m'as dit pour de l'argent, tu l'as fait. Je t'en ai pas tenu rigueur pour ça. Je n'ai rien dit. Moi, j'ai des vérités à dire sur toi, je le fais. Mais penser que tu as des vérités à dire sur moi, tu le fais. Tu es libre. Mais penser que je vais faire un concours de clash avec toi, qui clash ici, qui clash là-bas, écoute. Ça ne fait pas partie de ma vie, ça. Ça te ressemble, toi. Ça ne me ressemble pas, moi. Cette saleté-là, c'est toi. C'est tout toi. Cette vie de minable. Ça, c'est toi. Alors, tu peux sortir après ça, faire autant de vidéos que tu veux. Je ne te répondrai pas. Je ne te donnerai pas l'heure. Parce que oui, s'il y a une qui cherche à gagner de la visibilité, en ce moment, sur l'autre, c'est bien toi qui as besoin de ma visibilité à moi. Parce que maintenant, tu ne vaux que dalle. Les gens sont habitués à tes grossièretés que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu n'apprends plus rien à personne. Tu n'apprends rien à personne. La dernière fois, il y a un monsieur qui t'a dit d'aller à l'école. Tu l'as mal pris, mais c'est important d'aller à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui sont très intelligents dans la vie. Comme je dis, être analphabète ne veut pas dire être bête. Je prends par exemple ma maman Akissi Delta, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui est super intelligente. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, mais qui font des millions. Mais quand toi, tu n'es pas allé à l'école, ça veut dire que tu ne connais rien, il n'y a rien dans ta tête. Et qu'en plus de ça, tu es bête, l'école devient alors une obligation pour toi. C'est ça qu'il a oublié de te dire. Il t'a dit va à l'école, mais il a oublié de te dire que l'école doit être une obligation pour toi. Parce que toi, tu es bête. Tu n'es pas cette analphabète intelligente là. Non, tu es bête, analphabète et bête. Donc, l'école est une obligation pour toi. Aujourd'hui, je suis ta maîtresse du CP1. On va refaire la formation. On va commencer en bas et puis on va monter un peu. Donc, ma chérie, prends des cours du soir. Prends des cours du soir pour me tenir un blog propre,
pour que tu puisses t'exprimer de façon cohérente. Comme ça, demain, je pourrai te répondre. Comme ça, demain, on pourra parler le même langage. Comme ça, demain, je peux dire qu'on sera un peu sur le même niveau. Sinon, pour l'instant, tout ce que je dis là, tu ne comprends rien dedans. Tu vas juste sortir après. Ta mère con, ton papa, ton con, ton con. Regardez comme elle est ridicule. Une femme aussi bête. Qui n'a rien dans le cerveau. Une marionnette. Quelqu'un qu'on utilise à tort et à travers sur les réseaux sociaux pour faire le sale boulot pour des miettes parce qu'elle a faim. Ton père est en France avant toi. Ton père a une situation en France avant toi, mais il n'a jamais cherché à ramasser son pauvre... C'est-à-dire qu'il n'a jamais cherché à te sortir des déchets, du déchet où tu étais au Maroc là-bas. Dans la prostitution où tu étais pour te ramener auprès de lui en France. Parce que ton père n'est pas fier de toi. Tu es une minable, tu es une misérable. Tu es obligé de prendre bateau pour aller en France. Bateau, tu as pris pour aller en France là. Tu es arrivé là-bas, Dieu merci. Tu n'as pas te concentrer pour faire quelque chose de bon de ta vie. Tu ne vas pas te concentrer pour faire quelque chose de bon de ta vie, non. Tu es là maintenant sur les réseaux sociaux. On te donne des miettes pour dénigrer les gens. Et tu prends plaisir à faire le sale boulot. Dévergondé. Tu n'as aucune personnalité. Tu n'existes pas. Tu n'es personne. Quand tu sors de ton écran, qui tu es? Tu n'es personne. Tu n'as pas de vie. Tu n'es rien. Là où est-ce qu'on met les bonnes personnes, on ne t'associe pas. Comme j'ai dit, tu es la marionnette des réseaux sociaux. Tu es celle qu'on utilise juste sur les réseaux sociaux pour faire le sale boulot. C'est à ça que tu sers. Tu es l'objet des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je t'insulte. Mais demain, je vais te donner un peu d'argent. Tu vas venir me lécher les orteils parce que tu n'as pas de dignité. Alors, pourquoi toi et moi, on a arrêté de se parler? Pourquoi tu as arrêté de me parler? Parce qu'au début, tu m'appelais. Je t'appelais, tu m'appelais. Pourquoi tu as arrêté de m'appeler? Parce que après l'histoire de Sephora Bicente, tu es venu pleurnicher dans mes oreilles pour que je te prête la somme de 1 million. Tu m'as appelé. Malheureusement, je ne suis pas une bonne enregistreuse. Je n'enregistre pas. Tu m'as appelé. Ah, ma grande soeur. Et puis, hey, tu m'arrêtes là, ma grande soeur là. Ton vieux visage là. Ton vieux visage là. Quand tu regardes ton visage et puis tu regardes mon visage là. Je peux être ta grande soeur. Une vieille femme de 50 ans. Qui est obligée de diminuer son âge sur les réseaux sociaux. Pour se donner bonne conscience. Quand elle vient insulter les gens. Pour qu'on dise que c'est un enfant. Une vieille fille comme toi. Alors tu m'as appelé. Ah vraiment, j'ai des problèmes. Vraiment, je n'arrive pas à payer ma maison. Ah vraiment, si je suis là, ça va pas. Ça va pas, ma grande soeur. Toi, tu es là, tu partages l'argent aux gens. Vraiment, je suis là, ça va pas. Ils vont me chasser de la maison ici. Faut me prêter. Même si tu ne veux pas me donner, faut me prêter. Faut me prêter 2000 euros. Faut me prêter 2000 euros. Quand j'étais à Abidjan, puis tu m'as appelé pour me déranger, pour me demander de te prêter 2000 euros, là, tu as oublié? C'est des choses dont je n'aime pas parler. Mais si tu me pousses, on va expliquer. Tu as oublié? Je ne t'ai pas prêté cet argent-là. Pourquoi? J'ai refusé. Je t'ai dit, je n'en ai pas. Qui en ce moment-là, les affaires sont difficiles. C'est ce que je t'ai dit. Ça ne chauffe pas. 2000 euros, ça ne chauffe pas pour moi. Je ne voulais pas te donner cet argent-là. Pourquoi? Parce que tu m'as montré que tu étais une personne qui n'avait pas de cœur. Parce que tu m'as montré que, pour parler de l'histoire de Sephora, cette jeune dame-là, qui a mis toutes ses économies dans quelque chose qui s'est fait arnaquer comme d'autres personnes, tu as demandé de l'argent. Tu m'as montré que l'argent était le nerf de ta vie, que tu faisais tout pour de l'argent. Depuis ce jour-là, je t'ai classé avec l'histoire de Sephora. L'histoire de mon abonné-là, je t'ai classé avec ça. Donc, quand toi, tu m'as demandé de l'argent, quand tu m'as demandé de te venir en aide, de te prêter 2000 euros pour ne pas qu'on te foute dehors d'où tu étais,
J'ai refusé de te les donner. Parce que toi, tu n'es pas prête à aider ton prochain. Tu n'es pas prête à aider ton prochain. Tu ne l'as jamais fait. Si toi, Aya, tu es dans quelque chose, c'est parce que tu gagnes de l'argent. Si tu es dans quelque chose là, même ton soutien que tu apportes aux gens là, c'est parce que tu gagnes de l'argent derrière. Les gens te payent pour faire ça. C'est toi qui me l'as dit. C'est toi qui m'as dit ça. Alors j'ai refusé de t'aider. Parce que tu es mauvaise. Je voulais que tu sentes ce que ça fait d'avoir besoin d'aide et qu'on te lâche. C'est pour ça que je ne t'ai pas donné ni prêté ces 2000 euros-là. Et c'est après ça que tu as arrêté de me parler. Je ne t'en ai pas voulu pour ça. Parce que c'est mon argent. Je donne à qui je veux. Si je dis je ne te donne pas, je ne te donne pas. Si pour ça tu ne veux pas me parler, c'est ton problème. C'est comme ça que tu as arrêté de me parler. Ça ne m'empêche pas de dire ma vérité. Ça ne m'empêche pas de dire ce qui se passe. Si tu es dans une histoire pourrie. Alors quand je dis mes vérités concernant tes vidéos de Facebook là, je ne rentre jamais dans ta vie privée. Je me limite à tes vidéos de Facebook parce que j'ai reçu une éducation. Sinon, ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, il y a longtemps ça s'est passé, hein, je pouvais te dire ça. C'est toi qui me pousse à te dire ça aujourd'hui. Devant tout le monde. Parce que tu as osé ouvrir ce qui te sort de boîte là pour parler de mon père et de ma mère. Parce que toi, tu ne respectes pas tes parents. Alors, Aya, je dis et je répète. Tu es une criminelle et tu es une meurtrière. À partir du moment où tu te lèves parce que tu es en palabre avec la soeur du faux pasteur pour aller brûler son institut, tu fais coup pour ça. Je suis presque déchargée là. Tu as de la chance. Je vais plus durer sur toi. À partir du moment où vous faites un coup monté pour aller brûler l'institut de la soeur du faux pasteur, à partir du moment où tu es dans des groupes WhatsApp, vous préméditez d'aller incendier le travail, le dur labeur de quelqu'un. Alors tu es une criminelle. Tu es une chienne. À partir du moment où tu vas te mettre en bas de son immeuble pour un découdre avec elle, tu es une chienne. Et je redis, quand tu dis que les gens ont problème avec le faux pasteur, parce qu'il défend le pouvoir, je dis c'est faux. On n'a rien contre le pouvoir. En tout cas, moi, je n'ai rien contre le pouvoir. Quand moi, je dis mes pas de vérité, là, je n'ai rien contre le pouvoir. Et je t'ai demandé, toi qui voulais brûler le magasin de sa soeur, là, quand tu faisais ça, là, c'est parce qu'il défendait le pouvoir en place. Faut dire un peu la vérité. Dis la vérité, ma chérie. Alors, si toi, une criminelle comme ça, comme toi, on ne t'a pas accusé de ça, pourquoi toi tu veux accuser les autres de ça? Que oui, les blogueurs qui parlent du faux pasteur là, c'est parce qu'il défend le pouvoir en place. Oh, tu m'arrêtes ça. Toi qui voulais brûler le magasin de sa soeur là, et puis aller te battre avec sa soeur là, toi on t'a pas accusé de ça. Toi tu veux accuser les autres de ça, pourquoi? Pourquoi tu ne réponds pas à ça? Pourquoi tu ne réponds pas à ça? Parce que oui, ça s'est passé. Tout le monde se souvient de ça sur internet ici. Tu étais dans un groupe organisé pour aller brûler le magasin de la soeur du pasteur. Tu allais jusqu'en bas de son immeuble. Pourquoi quand on parle de ça, tu esquives? Que oui, même le président Babo et le président Ado, ils ne s'entendaient pas. Maintenant, il s'est passé. Tu n'es pas président de quelque part. La merde comme toi. Tu es une merde. On parle d'une merde comme toi. Une jeune fille égarée. Une criminelle, parce que tu es une criminelle. Tu as tout ce qui est sale dans la vie. Tu es une criminelle, tu es une prostituée. Tu es prête à tout pour de l'argent. Tu es une crève la faim. Tu n'as pas d'éducation, tu es vulgaire. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur toi? Je suis à 20%, c'est ta chance aujourd'hui. J'allais te refaire ton éducation.
Alors, ces petites merdes qui sont sur ton Facebook en train de t'écouter, là. Les gens de la basse-cour comme toi, là. Pas en train de t'écouter, je m'excuse. En train de commenter. Parce que, comme j'ai dit, tu es un guignol. Il y a des gens qui t'écoutent juste parce qu'ils n'ont rien à faire. Et qui ne sont même pas avec toi, d'ailleurs. Les petites merdes de la basse-cour comme toi, là. Qui commentent sur ta page et puis qui te donnent des ailes, là. Ces petites pourritures, là, les ratés de la société, là. Est-ce que tu regardes souvent le profil des gens qui te regardent? Souvent, c'est important. Regarde les profils des gens qui te regardent. Tu vas voir à quel genre de population tu t'adresses. Tu vas voir qui te suit. Et puis, regarde le profil des gens qui me regardent. Tu vas voir quel genre de personne je m'adresse. Et tu vas voir qui me suit. Il y a une différence. Chez moi, ici, c'est la qualité. Chez toi, c'est la quantité. C'est la brousse, c'est la jungle, c'est la basse-cour. Chez moi, ici, c'est des gens qui se respectent. C'est des gens qui en ont ici. C'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens posés. Donc, quand les petits cafards et les petits margouillards qui traînent sur ta page là-bas te donnent des ailes et de la contenance, reste sur eux là-bas. Comme on dit, au pays des aveugles, au borgne et au roi, comme ils n'ont tous rien dans la tête, tu es leur reine là-bas. Mais reste avec eux là-bas. Alors, Aya, comme j'ai dit, je ne vais pas faire de concours de clash avec toi. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne te donne pas l'heure. Je ne te donne pas l'heure. Le juge a une vérité à dire sur toi. Si tu mens dans une affaire que je suis en train de, dont je suis en train de parler, je viendrai dire que tu es une menteuse. Et je vais te démontrer où tu mens. Mais à part ça là, rentrer dans les clashs, répondre, dire, répondre, nye. Non, 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 non. Tu fais pas ça avec moi. Va faire ça avec les gens qui te laissent l'opportunité de faire ça avec eux là-bas. S'il y a des gens qui te donnent l'opportunité de t'exprimer comme ça avec eux, et qui peut-être, en deux, trois petites affaires, ont le temps de te répondre, fais ça avec eux. Mais moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, c'est une fois. C'est cette fois-là. Après cette fois, j'en ai fini avec toi. Il faut multiplier direct sur direct. Parce que j'ai dit, après le direct que je vais faire sur toi, c'est l'agonie totale. Où tu es là, tu es en train d'agoniser. Tu n'arrives plus à respirer. Tu t'étouffes. Soufflez là. Soufflez là. Madame Vouvoiement. C'est un. Je vais faire sur toi. Il n'y a pas deux. La prochaine fois que je parle de toi, c'est qu'il y a une vérité que je suis en train de dire. Sors tout ce que tu veux. Clash tout ce que tu veux. Insulte qui tu veux chez moi. Mes parents, là, si tu veux, prends-les. Je suis fière de mes parents. J'aime mes parents. Je respecte mes parents. Contrairement à toi. Ta maman qui s'est prostituée pour te donner à manger là, si tu peux pas la respecter, il faut respecter les parents des autres. Il faut respecter les parents des autres. Sois la fierté de ton père. Fais en sorte que ton père arrête de se balader de Facebook en Facebook désespéré pour parler de toi. Rends-le heureux. Ces derniers jours là, il faut le combler, s'il te plaît. Alors, ma chérie, je sais que tu as besoin de renfort pour moi. Oui, c'est parce que tu as besoin de renfort que tu allais prendre la pauvre José où elle est pour venir mettre son nom dans ton affaire pourrie. Je te dépasse en tout. Intellectuellement, je ne suis pas ta copine. Dans la société, je ne suis pas ta copine. Sur tous les plans, je ne suis pas ta camarade. Même tes petits placements de produits ridicules que tu fais là. Tu me dis, ah ma grande soeur, faut faire placement de produits. Tu as fait, je dis, non, je ne fais pas ça. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis une businesswoman. Ce n'est pas mon truc. Je te dépasse dans tout.
Tu as besoin de renfort pour venir t'adresser à moi. Parce que toi seul, tu ne peux pas. Alors, je ne m'étonne pas si après ce direct-là, je vois des petites parvenues sorties de part et d'autre pour venir s'agiter, gesticuler sur mon nom sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas m'étonner. Mais je ne vais pas vous donner l'heure. Parce qu'elle a besoin de renfort. C'est trop dosé pour elle. Elle doit aller prendre quelques petits renforts de part et d'autre. Je ne vais pas donner l'heure à quelqu'un. Le jour, j'ai ma vérité là. C'est ce jour-là que je viens parler. En dehors de ça, tes petits clashs merdiques là, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Alors, la famille, merci d'avoir sécurisé, d'avoir partagé ce direct-là. Il fallait que je lui donne au moins une réponse. Vous m'avez dit de ne pas lui répondre parce que vraiment, c'est de la basse cour, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, c'est quelqu'un qui est mal éduqué, c'est quelqu'un, non. Au moins une réponse. Quand quelqu'un pense qu'il est trop fou là, il faut te déshabiller pour lui parler. Comme ça, il va savoir que, attention, folie là, ça peut aller partout. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, Aya, tu es une chienne. Tu es une prostituée. Tu as reconnu t'être prostituée. Tout ce qui est mauvais, tu reconnais. Tu es une chienne, tu es une prostituée. Tu es une sale fille. Tu es prête à tout pour de l'argent. Même vendre ton père et ta mère pour de l'argent, tu le ferais. Tu n'as pas de dignité. Tu es moins que rien. Tu ne vaux rien. Tu ne peux pas t'exprimer sans injure. Tu n'es personne. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'es rien. Il faut redoubler d'efforts. Monte un peu encore. Le jour où tu seras à mon niveau, le jour où nous allons parler le même langage, je pourrai faire des clashs avec toi. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si j'ai des vérités à dire, je dirai. À part ça, je ne clash pas avec les gens comme toi. Tu es trop bête pour moi. Tu n'as pas encore le niveau. Je ne clash pas avec les gens bêtes comme toi. Monte un peu encore. Va à l'école, fais cours du soir. Monte un peu. Le jour où tu vas atteindre mon niveau, avec plaisir, je ferai un clash avec toi. Mais pour l'instant, tu n'es pas encore arrivé. Donc la famille, que Dieu vous garde. Et puis on est ensemble. Beaucoup de bisous chez vous. Je vais m'occuper de mon joli trésor. Arrête d'attaquer les femmes qui ont des enfants. C'est une fierté d'avoir des enfants. Fais ton enfant aussi. Tu vas connaître la joie qu'il y a dans la maternité. Que Dieu vous garde en ensemble. Ciao la famille.